Salut tout le monde, c'est JCCPKM67. Aujourd'hui encore donc deuxième partie de mon speed opening, donc de mon deuxième display. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à le voir parce qu'il y a eu une très grosse carte qui est tombée. Et puis on commence direct sans plus tarder. Donc vu que je tourne les deux parties à la suite, j'ai pas encore vu vos retours pour ce speed opening. Bon, du coup je verrai ça beaucoup plus tard. J'espère qu'ils seront quand même pas tous négatifs, mais bon, je suivrai votre avis. Ça, tout le monde sera content. Et hop, hop, hop. Un rapace de pique en peu commune reverse et Exagide en ex. Pouah. Finalement, elle est jolie. Hein. Je m'attendais pas à ça parce que voilà, c'est Exagide. Un peu dégueulasse. Mais non, ça va. En ex, elle est bien. Ils l'ont géré. C'est cool. On continue. Bon, pour le moment, je suis plutôt satisfait de mes deux displays. Donc Culbutoke en reverse et Corbos en rare. J'ai un peu plus de chance que sur XY3. Ça, c'est fou ça. C'est fou comment il s'ouvre trop bien. Ça fait peur des fois. Hop, pièce faussée en reverse et en rare. Mushana. Je jette mes boosters vides comme une merde. Quoi. Là vous avez spoil. Champ bizarre. Donc en rare reverse. Et Diancy en holo. Diancy qui est franchement super joli sur cette carte. Et donc le Vénard en reverse, Monternel en rare. J'ai l'impression en fait les quotas d'XY4 sont plutôt généreux. Après je pense qu'il y en a toujours qui n'ont pas de chance. Ça arrive, comme moi sur XY3. Krabos en reverse et Scorvol en rare. D'après ce que j'ai vu pour certains retours sur les gens qui ont ouvert des displays aussi, quasiment tout le monde a été plus ou moins chanceux. Hop. Archéodong rare reverse. Et waouh, putain, elle est bien. Alligator en holo. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait celle-là en holo. Pouah. Oh, elle est vraiment jolie, quoi. Oh merde, bah, limite c'est ma holo préférée quoi. Oh, il est vraiment bien dessiné. Je ne rentre pas dans le cadre. Je regardais la carte. Oh merde. Vraiment bien dessiné. Donc Valet Dimensionnel en reverse et Spiritomb en rare. Quand même moins d'ultra qui tombe par rapport à mon premier display, mon jeu de secret. Ça serait bien d'avoir tombé une full art encore, ça serait cool. Au moins une dresseur. Histoire que mon porte-monnaie soit content. Yanma en reverse et Pachirisu en rare. Ah, c'est un display à holographique quoi.
qui galère. Cap Canaille, donc Holo Rivers et Dialga en Dialga X. Pouah, elle est jolie. Ah ouais. Oh, elle est vraiment jolie quoi. Elle brille super bien. Ah, franchement sympa quoi. T'en manquerais juste qu'il y a encore le. Bon, c'est pas possible quoi, mais. Qu'il y a le Dialga. Le Dialga Fula. Et ça, ça va pas être possible vu que j'ai déjà eu une secrète. Hop, Mimitos Reverse et Moyade en rare. On a Girafarig en reverse et Avaltou encore en rare. Je crois que ça doit être la rare commune en fait. Celle-là qui tombe tout le temps parce que c'est bon, moi je peux déjà plus le voir. Voilà. Je galère un peu quand même à ouvrir les boosters. Ils s'ouvrent trop bien maintenant. Je crois qu'il y avait un défaut. Hop. Mélancolux en reverse et Regigigas en holo qui brille super bien. Pas dégueulasse hein. C'est vraiment un display holographique. Hop. Allez, on y croit. Peut-être qu'il y a encore une ultra qui peut squatter quelque part là. 3. Hop. Glupti en reverse et Lansargo en rare. 3 boosters encore et c'est la fin des haricots. On a Moyade en rare reverse et Graiena en rare. Avant dernier booster. Galvaran en rare, Galvaran en reverse et Muplodocus en holo. D'accord. Donc à mon avis, on n'aura rien dans le dernier booster. Hop, on fera un récap quand même entier du booster. C'est quand même bizarre que. Et on a donc Crocodile en reverse et dernière rare, un Corbos. Ouais, voilà, c'est pas top top, c'est pas dégueulasse non plus, c'est pas dégueulasse du tout. Je vais montrer, on a eu, donc ça c'est toutes les holos. Donc Muplodocus, Regigigas, Alligator qui est super joli, Giancy, Trioxine, Bonchitrouille, Igolta et Cup Canaille. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 holos. On n'a pas eu carte Team Flair. Un peu bizarre. Et en X, on a eu Dialga X. Très joli. Exagide X, donc ces deux cartes viennent du deck à thème. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Hop, on a eu le Pokémon phare de cette extension, Ectoplasma X. Et sa méga évolution en secrète, le méga Ectoplasma X. C'est juste trop bien quoi. Voilà. Un display un peu moins garni, mais bon, avec
carrément pas cadré, mais avec une ex secrète. Voilà, ben, n'hésitez pas, comme d'hab, liker, abonner, m'ajouter sur Skype et tout et tout. Et puis, mettez-moi des retours en commentaire et des likes, ça fait plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!